Salut à tous, c'est Jeff. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 10 sur Space Haven. Alors, dans l'épisode précédent, on avait fini avec ces, on avait fini par avoir les robots de récup. Donc, cet épisode-là, on va continuer un peu notre exploration. Alors, l'objectif que j'aimerais te donner, c'est que d'ici quelques épisodes, avoir un second vaisseau qui soit entièrement automatique, donc qui ne dépende pas de l'énergie M. Idéalement, qui fonctionnerait avec beaucoup de robots de récupération et tout ça. Et qui servirait plus de vaisseau de combat. Donc ça, ce serait l'objectif, mais c'est pour dans un petit moment, je pense. Et donc dans ces épisodes, pour l'instant, on va continuer à explorer, à stacker des ressources, etc. Et donc, on en était où? On avait fini de désosser les vaisseaux. Alors, où est-ce qu'on part maintenant? On va peut-être en... Je pense qu'on va sortir du système, hein. On va sortir du système. Donc on avait fini tout à agencer aussi, ça c'est bien. Hop. De toute façon, il n'y a plus grand chose à récupérer ici. Bon, et on n'a pas croisé Eden. Alors si je dis pas de conneries, en général, elle se trouve plutôt vers la fin des secteurs plus que le début. Alors est-ce que je vais explorer là-haut? Ou est-ce que je continue direct sur une nouvelle zone? On pourrait partir, ça c'est quoi? Système solaire non contrôlé, ça pourrait être sympa d'aller là. Et après, à terme, j'aimerais bien moi aller faire ça. La guilde des esclavagistes, donc on pourrait faire tac 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 tac. Je pense que c'est pas trop mal. Et potentiellement tac tac, c'est pas mal, ouais. Donc on va essayer d'aller sur un nouveau système. Ok, on va faire un arrêt là par contre, parce que ça c'est pour l'instant c'est notre seule ressource, qu'on en a deux. Génératrice à énergie, on les bouffe très très vite. Donc je pense qu'il faudra obligatoirement que je m'arrête quand j'en trouve. Hop hop hop, ici on récupère, on prépare une expédition. Alors ils sont assez fatigués, donc on va attendre qu'ils dorment. Après, niveau ressources, on en est où? Bouffe, on est pas mal. On a 5 cadavres aussi, il faudra s'en occuper. Est-ce que tout le monde a des armes? Arme, arme, arme. Arme, arme, arme. On est combien? On est 7. Donc, vaisseau en approche, prochain tour. Militaire. Ok. Bah on est parti, hein. Tac. Alors je sais plus lequel c'est qu'il faut surtout pas. Je pense qu'on peut faire une équipe que de 4 ici. C'est un petit truc, y a pas besoin d'en envoyer plus, à mon avis. Hop. Hop, hop, hop. Ok, y a du peuple. Il y a du peuple, il y a du peuple, mais on a la puissance de feu. Donc ça devrait le faire. Alors. Ok. La question c'est est-ce qu'il y a des nids? On va kite un petit peu. Éviter que Fiora prenne tous les coups, ça évitera qu'elle soit blessée. Ou un cadavre. Bon, ça a mal fini, hein. Donc, globalement, je pense que quand on vaisseau l'envoyé d'alien, c'est que ça a globalement mal fini, mais. Ça m'a l'air bon, non? Ok, parfait. On décontrôle, on décontrôle. Transfert
Tout sélectionner, tout transférer, sauf ça. Les cadavres, on peut les laisser aussi. Est-ce qu'on a des trucs sympas? Il y a du plastique, ça c'est bien. Et des blocs techno, c'est bien aussi. L'hypercombustible, je crois qu'on en a pas mal. On a que deux quand même. On va récupérer tous les blocs. Hein. Sauf les flexibles qui sont pas. Ils sont pas très intéressants. Possible de retirer le scaphandre, oui. Parce que dans le vaisseau. Sais pas si on produit. Console d'armement. Après c'était. Ouais, c'était les tourelles, donc c'est bon, les recherches c'était déjà. J'avais déjà planifié les recherches, ça c'est bien. Faudrait que j'y pense à chaque fois ça. Ça m'évitera d'y repenser, ok. Oh, c'est fine. Vérifier que les tâches. On recycle tout. C'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut échanger? On a composant Quantronic. Est-ce que j'en prends un ou deux en me disant que ça me sera utile plus tard? Parce que ça, on a vu que c'était utile. Est-ce que je les prends maintenant? Vraie question. Vraie, vraie question. Parce que je n'ai aucune idée à quoi ça pourrait servir. Mais d'un autre côté, le fait de les avoir maintenant, ce serait quand même très, très, très. Comment dire? Ce serait un peu une assurance, quoi. Ce serait un peu une assurance. Est-ce qu'il y a un truc que j'ai vraiment beaucoup qui sert à que dalle? Oh bah, le métaux noble, ça sert un peu à rien. Une dizaine contre. Ouais. Un composant. Je pense que je vais faire ça quand même. Au moins j'en ai deux. S'ils me servent pas, tant pis, mais. On est où là? Ah bah là oui, oh, putain, on a récupéré vite. Oh. On va se préparer au saut. Une fois que le champ sera terminé. Ok, petit freeze. Ça, on a transféré ce qu'on devait. Ouais, ok, nickel. Hop, 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 hop. Préparer au saut. Et on est parti vers un nouveau secteur. On va sauter. Bon, on va voir le Jarbotron, mais c'est pas trop grave. Hop, 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 hop. On va se préparer à sauter. Je pense qu'on va directement partir explorer ici. Alors là, il y a quoi? Il y a de l'eau. Bon, l'eau, on est fine. Carbone on est fine aussi. Là il y a beaucoup de trucs, alors beaucoup de trucs qui ne servent à rien aussi. Bon, est-ce qu'on s'arrête là du coup pour aller récupérer plein de petites choses? Bon, ça va en moyen du rêve quand même. Ça va en moyen du rêve, on va plutôt aller là. Alors ici il y a un vaisseau qui est relativement en bon état donc il serait facile à désosser mais. L'objectif, c'est pas de passer tous les vaisseaux non plus. Là, par contre, c'est intéressant parce qu'il y a de l'énergie et un vaisseau à désosser plus une station d'échange. Donc, on va s'arrêter là. Idéalement, je vais essayer d'aller assez vite maintenant dans les secteurs s'il n'y a pas des trucs qui m'intéressent pour la construction ou quoi. Par contre, oui, quand on s'arrête, on récupère tout. Tac. Ils vont dormir. C'est parfait, ça nous laisse le temps de voir qu'est-ce qu'il y a à échanger ici. Y a rien d'intéressant. Si, y a ça à la limite. Des plaques d'acier. On en a? On en a plus. On va s'en prendre un peu. On s'en prendre 4 terres. Et contre quoi on va les échanger? Bah, vous aimez les.
J'ai mis des trucs qui servent à rien là. J'en ai plein moi des trucs qui servent à rien. Hop, c'est cadeau. Alors c'est vrai que plus j'en échange, plus ça diminue la valeur, mais... Et voilà. Va faire du trade. Alors, quelle équipe on prend? On va prendre... Mais ils sont blessés. Pourquoi ils ont si mal? Un peu faim, 40% de balles de transport, voie des aliens en cauchemar, on s'en fout. Un peu faim. Ah, on est... Ouais, non, le signe malade, c'était le... On avait dit que c'était les voyages spatio-temporels. Et toi, tu vas y aller aussi. Elle a vraiment pris cher. Carence, fatigue, mal des transports, morsure. Morsure d'une oculaire. On est d'accord que j'ai... Oui, j'ai du matériel médical. Donc il devrait pas, normalement, il devrait pas y... Il devrait pas y passer. Normalement. On va se libérer là. Comme ça, on aura une bonne vue sur tout le reste du vaisseau. Ok, il y a du loot. Ça a l'air assez calme. C'est plutôt une bonne chose, j'imagine. Il reste un truc à prendre là-bas. De l'hyperium. Pas grand chaos sur ce vaisseau. Hop, ça on décontrôle. On décontrôle, on décontrôle, on sélectionne tout, on transfère. On va récupérer ça, ça, ça et ça. On va continuer. Plutôt fine. Ça donne quoi les niveaux? Oxygène, c'est bon. CO2. Intermédiaire. On pourra enlever un truc de CO2. D'accord que les murs, ouais, ils existent. Hein. On pourrait mettre une purificatrice en plus, peut-être un peu, parce que le CO2 est quand même assez élevé. Hop, 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 hop. Voilà, une petite épuratrice en plus. On le mettrait là, dans l'idée. Dans l'idée, dans l'idée. Bon, le confort. Ouais, qu'on peut offrir. Ah, c'est eux qui... Ok, à travers le mur. Bon, c'est pas trop trop grave, là. Tant que c'est confortable ici, c'est le plus important. C'est le plus important, la température, c'est fine. Après... Zone isolée, ok, bon. Alors elle, ouais, on l'a laissé s'endormir en plein milieu, très bien. Bon, on va attendre d'avoir fini de looter tout ça. On est plutôt bien en vrai. Est-ce que je peux pas genre balancer des corps? On a récupéré ce qu'on voulait. Parce qu'idéalement, il faudrait stack des blocs de coque aussi. Parce que si on veut construire un vaisseau, il va en falloir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que ce soit les installations, parce que le vaisseau, il lui faudra évidemment une navette, il faudra... Je sais pas si je mettrais des récupérateurs, je pense pas. Je pense qu'une seule navette suffira. En fait, idéalement, ce que j'aimerais, c'est que l'autre vaisseau il soit complètement indépendant par rapport à celui-là. Comme ça évite d'avoir à faire des allers-retours en boucle. Parce que pour avoir déjà fait une partie et avoir tenté. En fait, j'avais fait un autre vaisseau, mais qui fonctionnait lui aussi à ça,
à l'Energium. Au début, en tout cas, il fonctionnait à ça, et c'est une galère sans nom, parce qu'il faut transférer, il faut maintenir un minimum dans celui-là, mais du coup, il y a toujours une pénurie, il y en a toujours un où il en manque. C'est très 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 relou. Petit souci d'électricité quand même quand tout le monde bosse. Hein. Alors, si les navettes pouvaient fonctionner, ça serait nickel. Ce sera nickel. Là, c'est bon. Très bien. Pour les blocs flexibles, je vous j'en ai un peu rien à carrer, quoi. J'en ai déjà 15. Après, on va dire, c'est de la thune facile, quoi. On peut les trade, mais est-ce que ça se trade bien, ça? Parce que du bloc flexible, on n'aura pas besoin d'autant, quoi. On va attendre d'avoir tout récupéré ici. On se casse. Après, s'il reste que ça, on va se préparer au saut. Ce qui reste est pas très intéressant. On se casse du secteur. On va aller clear celui. Lequel on va? Celui d'en bas ou celui d'en haut? On va aller celui d'en bas. Il n'y avait pas de lien en fait. Sur je viens de là, il n'y avait pas de lien. Donc il va falloir aller en haut. Pas le choix. Le vert, on s'en fout. À combien en vert? 60. Ouais. Là, c'est pas des ressources qui sont très intéressantes. On va continuer. Alors, si vous voyez une planète verte, hein, vous n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à le créer dans le commentaire si je la rate. Parce que c'est l'objectif en fait. C'est l'objectif du jeu. On va s'arrêter là parce qu'il y a de l'énergium. On va essayer de loot assez vite. On va loot l'eau aussi. Même si on n'est pas sur l'urgence. 11, c'est bien. Bon, ils commencent à régénérer leur point de vie, donc ça va. On en est où des recherches? Tourelle à énergie, c'est en cours. Après, j'ai une industrie imprimante optronique. Ouais, du coup ça j'en ai plus besoin. Brouilleur de visée, scanneuse. Partiellement d'information fonctionne que sur la vaisseau station qui est une installation active. Tour à la missile, on va rester je pense que sur l'énergie par contre dans un premier temps. Hypermoteur permet d'effectuer des hypercentres différents secteurs du système solaire dans différents systèmes. L'hyperium brut. En gros, ça c'est pour aller vraiment très très vite sur la carte. Alors ils ont rajouté des petites choses là, c'est quoi ça? Expérimenter Energium. Des niveaux 2. Je crois que ça s'y était pas hein, au début. Chaque palier doit être franchi avant de passer au suivant. Chaque palier, les recherches à effectuer, les installations utilisées vont varier. D'accord. Donc là. Ah oui, d'accord. Donc là, il y a des trucs, il y a du niveau 2, ok. Et on va commencer par le niveau 1. On va aller faire les armes, moi. Elle n'a pas fait gaffe à ça. Éruption solaire en approche. Yes. Bah, dépêchez-vous de loot. Dépêchez-vous de loot. Est-ce qu'on pourrait améliorer la salle? Là, bon, on n'a pas grand chose à foutre. Est-ce qu'on peut? Parce que là, il n'y a que 4. Mais techniquement, ils sont 7. Donc peut-être qu'on va attendre. Agrandir un petit peu. Ça serait une option. Est-ce qu'on peut réagencer pour pouvoir en mettre plus? Je pense pas. Au feu. Et tout de suite, les grands mots, tout de suite, les grands mots. Ou alors, si je peux faire ça, non? Il n'y a pas de ligne derrière. C'est pas passé derrière. Parce que si je mets une table ici, je pourrais rajouter des chaises. J'ai une idée. J'ai une idée.
Après, je la mettrai. Bon, il y a une vente, du coup, je peux pas la mettre. Mais. Pourtant, alors, on va faire un accéléré, sinon, on y est encore demain. Là, hop, ça fait déjà. Deux connards de plus. Bon, un connard pour l'instant. C'est énorme. Objet de couverture. Est-ce qu'on se met ça? Est-ce que ça pourrait être. Oui, bon, d'accord. Oui, bon, ça brûle un peu, ça brûle un peu, voilà. Pas la peine d'en faire tout d'un plat. Alors. Est-ce qu'on se met un objet de couverture ici? Ça pourrait s'avérer utile si on se fait attaquer. Je sais pas si le sens dans lequel on le met, ça sert à quelque chose. Toi, est-ce que tu échanges quelque chose d'utile? Que de la merde. Préparez-vous au saut. Oui, bon, il y a un problème, un petit souci électrique, mais ça allait, ça allait. En bas, qu'est-ce que ça raconte? Les vaisseaux abandonnés, les vaisseaux abandonnés. Yes. On s'en fout. On va explorer le haut. Ici. Ah, là-bas, ça raconte quelque chose d'intéressant. Ici aussi, donc on ira après. On ira après. C'est quoi ces esclavages ici, du pas de conneries? Je crois pas que je suis en guerre contre eux. Alors, comme d'habitude, on récupère ça. On récupère ça. On récupère ça. Je vais attendre le nouveau jour parce que là ils sont low en endurance. Ici on a quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce que vous voulez, bande de canards? Michael, bien sûr, pour nous aider. Souhait 5 carbone. Si tu veux. Autre geste. Est-ce que du coup ça a amélioré mes relations? Relation 6. Échange. Donc j'aurais filé 5 carbone et c'est tout. Bon. J'ai pas fait gaffe si ça a amélioré. Tissu. Qu'est-ce qu'on a? Des blocs techno. On en a 13. Il va falloir en stacker aussi. Des piles à énergie. Il n'y a rien de bien incroyable à récupérer là-bas. Je pense qu'on va les laisser avec leur merde. Alors, tout le monde dort. C'est bien, les robots, ils ont arrêté le feu, non? J'ai l'impression qu'ils ont joué dans le. Brèche dans la coque. Oui, c'est ça. Pas rassurant quand même. Quand vous dites ça, ça met des petits coups de pression. État éliminé, dépression nerveuse. Ah, c'est bien. C'est bien, si on est plus dépressif, c'est une bonne nouvelle. Allez, on prend l'autre navette aujourd'hui. Non, elle est partie en explore. Fiona. On change un peu les équipes. C'est où? C'est là. Ok, tout le monde sort. Le monde sort, tout le monde sort. Et hop, bon, ça a l'air que des aliens de niveau 1. Ok, il y a un mec à récupérer.
qui ne nous arrange pas dans nos affaires. On va être beaucoup trop nombreux. Après, je pense qu'on va le récupérer quand même. En fait, si je le fais en deuxième vaisseau, c'est vrai qu'il va falloir du monde, donc au final... Alors attends, on va faire comme d'habitude, on va le récupérer une fois qu'on a nettoyé le vaisseau, on va éviter qu'il se fasse assassiner... sauvagement. Alors là-haut, je crois qu'il y avait encore un alien. Oh merde. On va voir. Voir ce que ça raconte. Hop, 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 hop. Alors, si j'ai pas de conneries, il n'y aura plus de que les aliens donc. Oh, bien joué. Ok, bah nickel. On va récupérer tout ça. On va récupérer tout ça et je pense qu'on va pas tard, on va s'arrêter là hein, pour cet épisode. On a été plutôt efficace. Ouais, je pense qu'on va s'arrêter là avec le sauvetage de comment il s'appelle? Angelica. Donc voilà, donc je pense que voilà pour cet épisode 10. J'espère qu'il vous a plu. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire. Et on se retrouve très bientôt dans le pour le prochain épisode sur Space Event sur la chaîne Guy et Jeff. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!